d'expérience de la 5e 3. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une nouvelle expérience. Nous allons rechercher quelle est l'eau la plus dense entre l'eau chaude et l'eau froide. Pour comprendre comment se créent les courants d'eau dans les océans. Il y aura deux expériences. Une avec l'eau chaude qui aura un verre de menthe avec de l'eau froide et l'autre avec l'eau froide qui aura un verre de menthe avec l'eau chaude. Dans le verre de menthe avec l'eau chaude, il y aura du colorant rouge et dans le verre de menthe avec l'eau froide, il y aura du colorant bleu. Dans les deux verres de menthe, il y aura une masselotte de 25 grammes. Alors, commençons l'expérience. Nous allons piquer avec un pic en bois le verre de menthe avec l'eau chaude. Puis le verre de menthe avec l'eau froide. Nous pouvons voir que l'eau chaude remonte sur l'eau froide, ce qui signifie que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Et l'eau froide qui ne monte pas sur l'eau chaude, ce qui signifie encore que l'eau froide est plus dense que l'eau chaude. Ceci était notre expérience et nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas la team expérience compte sur vous pour liker, commenter et s'abonner. Au revoir! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Au revoir.